العمل الاجتماعي دونك احنا ذات سبعه عام الجمعيه ما عندنا اهتمام في جزء من العمل نتاعنا بالحيوانات دونك اليوم قمنا بوقفه احتجاجيه كونسيرنون الكلاب اللي تقتلوا نهار الاثنين اللي فات دونك فما اللي تقتلوا فما الكلبه هذه اللي هي ما ماتتش معناها كي ضربوها ما ماتتش فيها سبع كراتش في ظهرها دونك كلموني الصباح 8:30 une dame française qui m'a dit, donc j'ai été là, j'ai été le vétérinaire, le vétérinaire m'a dit, je m'en ai dit, il y a deux اختيارات, il y a le mot de Rahim, il y a le mot de Rahim, il y a le mot de heureusement, m'a dit, donc il y a des propositions, il y a des اقتراحات, il y a des gens qui ont été mis en place, donc le traitement عند docteur Kamoun. وبعد ان شاء الله مش نبلاسيوها عند يندام في حمام سوسه ونعملوا الاجراءات البروتوكول سانيتير نتاعها من بيوس وغيره وغيره دونك ان شاء الله بعد تخرج الخارج باش تلقى ممكن ظروف احسن في الله. بالوقت اللي الاحتجاجيه نتاعكم اليوم تنديدا باللي قاعد صاير معناها هو الوقفه الاحتجاجيه نتاعنا هو يلزمنا حلول، الحلول القنص ما اعطتش نتيجه عندها سنوات ما اعطتش نتيجه، الحل الوحيد هو التعقيم. وكل بلديات وانا عندي معناها نفاذ المعلومه وزاره الداخليه وقفت القنص عن 2021 وطلبت من البلديات انهم يعملوا حلول اللي هما مراكز التعقيم ومراكز الايواء هذا ما تمش دونك في فما مدن اللي عملت هذا وما عندهاش مشكل معنا فيهاش قنص دونك احنا نطلبوا من بلديه نابل تكون من السباقين باش تعمل معناها باش تعمل هذا لي سونتر هذوما ويتحل المشكل بون اخيرا فما شبه انه رئيس البلديه فما تجاوب اني مش نعمل السوندر دو سيليزاسيون وعدت انه يكون قبل راس العام وان شاء الله يتم هذا وفهمت وما عادش نعملوا الوقفات الاحتجاجيه معناها نكونوا احنا نعاونوا الحيوانات الموجودين في الشارع واللي نوكلوهم وفما اون كونسيونس تبارك الله معناها لي جون وكل شيء اكثر من الكبار باتنا وماتنا اللي تو ولاو يهتموا بالحيوانات وساليتوش. يا بوكو دانيمو يا À l'époque, il y en avait, bien sûr, mais il y a de plus en plus d'animaux dans les rues, des animaux des rues qui sont souffrants, qui sont empoisonnés, qui sont maltraités, accidentés. Mon engagement dans la protection animale, elle date depuis très longtemps, mais activement depuis 7 ans. À l'époque, j'ignorais que les municipalités tuaient les animaux, les chiens. Et quand j'ai vu sur Facebook, parce que Facebook, c'est le premier réseau social où tout le monde se rassemble et tout le monde communique, j'ai vu des vidéos affreuses des municipalités qui tuaient les chiens. Et c'est là que j'ai découvert, parce que j'ignorais ce volet des actions. Et c'est là que donc j'ai rejoint le mouvement. Vous avez décidé de venir. En fait, il faut que je présente aussi autrement. Je fais partie du collectif Tunisia Animals Voice. Nous sommes un collectif de femmes et d'hommes de différentes nationalités, issus de différents pays. Notre cause, c'est vraiment, on s'est rassemblés autour de la Tunisie et de la condition animale en Tunisie. On réclame des lois pour les protéger, parce que vous savez que la loi, elle est obsolète, elle a besoin d'être réactualisée. On demande ça. On demande que les abattages s'arrêtent, parce qu'il y a des solutions qui existent. Et peut-être que, je ne sais pas, il faudrait qu'on communique plus avec les citoyens. Parce que en fait, on a le même but. Il y a les citoyens qui ne veulent plus voir ces meutes parce qu'ils ont peur des chiens, mais ça je le comprends. Moi aussi, peut-être que si je suis confrontée à une meute, j'aurais peur. Mon premier sentiment, c'est ça. Mais alors, il y a ceux qui sont... En fait, on demande l'arrêt des abattages parce que des solutions existent. Il y a une technique qui s'appelle le TNR,
trap nutter release, ce qui consiste à capturer les chiens, à les vacciner, les stériliser et après les remettre sur leur lieu de capture. En fait, quand vous faites ça, vous protégez une zone. Ces animaux sont stérilisés, donc ils seront plus calmes. Ils seront vaccinés, donc exempt de rage. Et les citoyens, en fait, c'est un vecteur, un vecteur sanitaire, l'animal, après. Vous savez, ils seront bagués, identifiés, et vous savez que ces animaux, vous n'aurez rien à craindre. Donc, voilà, il y a une solution. Et il faut que ceux qui sont contre l'abattage, c'est nous, donc la protection animale tunisienne et internationale, parce que ça va au-delà de la Tunisie, puisque les dernières images et toutes les images depuis 6 mois sont partagées inlassablement sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et je peux vous assurer que les commentaires, ils sont très très durs. Et moi, qui suis quand même d'origine maghrébine, je ne peux pas laisser dire que la Tunisie, l'Algérie, parce que je suis d'origine algérienne, je ne peux pas laisser dire que nous sommes un pays de barbares. Nous ne sommes pas des barbares. La preuve, il y a des associations, il y a tous ces gens qui sont là et qui se tuent à la tâche. Et ils souffrent aussi, ces gens-là, quand ils voient... parce qu'en fait, ils n'y arrivent plus. C'est insurmontable, ça devient insurmontable. Donc, voilà. Il faut que ceux qui sont contre l'abattage et ceux qui sont pour l'abattage s'unissent et communiquent et qu'on discute entre nous pour voir un peu, pour trouver une issue à ce problème. Ça fait des années qu'on tue les chiens, ça fait des années que le problème n'est pas résolu. Donc il est temps pour la Tunisie de se pencher sur ce problème, parce que la Tunisie, c'est mon pays de cœur, je vous le répète, la Tunisie, je suis sûre qu'elle est capable de faire ça et d'être précurseur dans le Maghreb.